We are very pleased and very honored to greet you in the next meeting of the Board of Governors of the Jewish Agency in Paris, in our marvelous city, which has been the focus of two major terror attacks in the year 2015. As you know, Jewish aliyah to Israel has increased very much, and threats are lingering over Jewish, French Jewish community. This will be one of the topics that we'll discuss in the agency meeting, and I'm very glad to see you and hope that these meetings will be very productive. Grande partie des Juifs de France se demandent aujourd'hui si leur présence dans notre pays sera véritablement pérenne. C'est une question difficile. Je crois que nous n'avons pas à imposer des solutions. Nous avons à respecter et nous avons à faire que les choix qui sont faits soient faits dans les meilleures conditions possibles. Je crois que ça, c'est extrêmement important pour qu'ils n'entraînent pas ensuite des désagréments et des déceptions, éventuellement des retours. Il faut se battre là où on est, contre nos adversaires, de la même manière que les Israéliens combattent leurs ennemis, et Dieu sait qu'ils sont entourés d'ennemis. Mais nous respectons ceux qui prennent la décision de partir, car ce sont des décisions très personnelles. Quand elles sont fondées sur le sionisme, elles nous paraissent même tout à fait justifiées. En revanche, je ne souhaiterais pas qu'elles soient fondées sur la peur et sur le désir de fuir pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs, il n'y a de sécurité nulle part au monde pour les Juifs. Et on ne peut pas accepter qu'on veuille nous imposer un changement de notre mode de vie, de notre manière d'être et de nos libertés. This last year, the Jewish Agency made history in France. More than 5,000 participants in the different program of Israel Experience. More than 1,500 participants in Masa programs. The highest number of Olim since the independence of Israel. 8,000 French Jews became Olim Chadashim this last year. Le problème pour nous les jeunes en France, c'était compliqué de trouver un travail, tandis qu'ici je suis sûre de pouvoir trouver un emploi où je vais pouvoir vivre mon judaïsme à fond, faire mes fêtes, faire mon Shabbat tranquillement. En France, avec les attentats qu'il y a eu, les gens sont moroses. En Israël, c'est leur lot quotidien et pourtant ils sont toujours souriants, ils sont toujours prêts à t'aider. Ici, j'ai pas peur de dire que je suis juive, tandis qu'en France, je faisais attention. On découvre une nouvelle société, une nouvelle culture. On est réellement ancré dans la société israélienne, c'est mon sionisme qui me pousse à venir vivre ici. Il y a un avenir pour les jeunes juifs français. Le dilemme, il peut y en avoir plusieurs, mais l'essentiel, c'est celui lié à la possibilité de pouvoir travailler. Et il y a beaucoup de barrières encore en Israël pour pouvoir travailler. Et ça, c'est un vrai dilemme, parce que venir en Israël sans pouvoir travailler, c'est problématique pour des juifs de France. En revanche, ce que Israël offre par rapport à tous les autres pays du monde, aux juifs de France comme aux juifs d'ailleurs, c'est qu'ici, on a toujours sa chance. On s'en fout du CV. On ne nous regardera jamais comme quelqu'un de différent. Et on a apporté tout notre bagage de France en Israël. Mais ici, on est chez nous. Merci. De la rabat. De la rabat.